les gens, c'est Drac Survie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de 2-3 petits points. Donc, on va déjà parler des emplois du temps qui vont se suivre et de Fortnite après. Donc, on va pas aller en game, mais on va parler de Fortnite. Aujourd'hui, donc, petite précision, comme je le tourne le jeudi. Donc, normalement, je suis parti toute la journée. Je viens de rentrer, donc... je vais parler de 2-3 petites choses, donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager, et à laisser une petite cloche pour savoir ce que je laisse en vidéo. Et si vous êtes intéressé, allez sur mon Twitch qui est en lien de description et mon Discord que je remercie de la nouvelle personne qui a rejoint le Discord. Donc je te remercie. Pour les 151 abonnés, je vous remercie. Pareil, j'ai vu que les trailers vous intéressaient. Donc, tous les mercredis en vidéo, il y en aura une. Le lundi, il n'y aura plus de vidéo. Pourquoi ? Il n'y aura plus de vidéo ni de live parce que je vais faire des recherches pour que vous ayez des jeux, des lives à peu près corrects. J'essaye de régler certains périphériques de mon OBS, pareil, parce que j'ai remarqué que ça buguait encore au niveau... Pourtant, moi, quand je suis en live, au niveau d'OBS, tout va bien. Alors, je ne sais pas d'où ça sort. Je ne sais pas si c'est le Twitch, je ne sais pas si c'est moi avec mon logiciel Overmedia qui bug. Donc, pour le moment, j'essaie de régler au minimum. Quand vous passez sur mon live dans ces quotas-là, dites-le-moi, voilà, ça bug, on t'entend, mais ça bug, quoi. Dites-le-moi, c'est pas méchant. Je sais que de mon côté, mon OBS marche bien, mais je me pose la question si c'est pas mon Overmedia qui merde entre Twitch et ça. Donc, dites-le moi, ça fera plaisir. Pour un deuxième petite chose, donc à partir de la semaine prochaine, donc le lundi, il n'y aura plus de vidéos, mais le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi, vous aurez des vidéos normalement tous les jours. Je dis bien tous les jours, donc si j'ai un jeu en particulier, bien, je vous le mettrai. Les lives, donc le mercredi, soit le mardi, soit le mercredi, faudra me le dire. Faut me le dire en commentaire. Ceux qui sont sur mon Discord, dites-le moi sur mon Discord. Je sais qu'il y en a un qui m'a demandé, donc Max, je sais que tu m'as posé la question et je t'y réponds en commentaire. Tous les mercredis, si vous voulez participer à mes vidéos ou à mes lives, surtout à mes lives parce que les vidéos, je suis tout seul, donc je préfère être tout seul. Mais soit le mardi, soit le mercredi, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui vont être en vacances de bonne heure. Et je sais qu'il y en a qui veulent participer à mes lives. Donc, je vous accepte. Mais il ne faudra pas faire les cons. Et il faudra être spécialement sur mon Discord. Si vous n'êtes pas sur le Discord, ça ne sert à rien. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, ça ne sert à rien. Et si vous n'êtes pas abonné, ça ne sert à rien. Et laissez-moi un commentaire pour me dire, voilà, je voudrais participer. Ça me fera plaisir. Et moi, je ne vous dirai pas non. Donc, venez nombreux et peut-être que plus tard, je ferai ça tous les mercredis si ça vous intéresse, soit tous les mardis, soit tous les mercredis en live sur Twitch. Donc, n'hésitez pas à venir. Aussi, le samedi, il y aura peut-être une vidéo, pas de live, mais une vidéo sur des trailers. Donc, il faudra que je les recherche. C'est pour ça que le lundi, je me concentrerai sur les vidéos et sur mes lives. Pour planifier toute mon organisation. Donc, à partir de lundi, il n'y aura plus de vidéos ni de live. Comme ça, vous êtes au courant. Et comme ça, vous saurez. Donc, voilà. Donc, on va passer maintenant au petit Fortnite. Donc, il y a eu pas mal de petites mises à jour. Donc, comme vous le voyez maintenant... Ah oui, non, c'est moi qui étais dessus. Donc... Sur Fortnite, il y a eu les nouveaux défis. Donc, il y a eu les nouveaux défis qui sont apparus. Donc, défis dorés et défis violets. Donc, pour vous dire une petite chose, il y a certains défis. Donc, il y a un défi en particulier, donc le cube. Donc, comme vous le savez, normalement, il y a cadeau de bienvenue. Donc, c'est des cubes. Alors, moi, ça se met pas parce que ça bug. Fortnite, voilà, hein, merci Fortnite, ça, c'est codé comme le cul, mais c'est pas grave. Donc il y a des cubes un peu partout sur la map, comme vous le savez. Le truc, c'est que c'est un peu aléatoire. Le truc, c'est que il y a une personne qui a fait une vidéo, et ce n'est pas buggé en fait.
faut juste aller à Lazy Lake avec un cube, trouver un cube et balancez-le dans Lazy Lake. Donc soyez pas non plus dans Lazy Lake, mais soyez quand même dans la zone. Donc quand vous avez la description, vous êtes dans, à Lazy Lake, balancez le cube et là à partir de là, vous aurez votre défi d'accompli. Donc c'est assez rapide. Après il y a d'autres défis qui sont assez rapides au niveau doré. Ça vous prendra pas trop de temps et je vous le conseille, c'est beaucoup plus rapide que le cube. Deuxième petit défi, là on va parler des défis de violets. Il y en a un ici, vous allez avoir un défi, c'est aller danser ou même pas, je sais plus si c'est doré ou violet. Il y a aller danser ici, donc près de là, dans ce truc là, donc près du barrage. Faut juste aller rejoindre, donc pour beaucoup, il faut aller près de lui, donc près de cet alien. Et en fait, vous allez danser près de lui. Faites attention, il y a des œufs. Il y a des œufs ou avec des vers. Et vous pouvez danser devant lui. Alors, je sais pas, moi j'étais avec un œuf. J'étais avec un parasite sur la tête. Il m'a pas attaqué. Donc, je sais pas s'il attaque ou quoi. Donc, faites attention. Deuxième chose, il y a donc normalement pour la suite, il y a un défi qui vous indique d'aller soit vous faire parasiter, soit aller discuter à Sony, qui est donc à Pearl Beach, et qui est ici, donc comme vous le savez. Alors faut pas lui parler même, faut lui demander une quête, soit ce qu'elle vous propose, et à partir de là, le défi sera validé. Et ça, c'est normalement dans les dorés. Il y a un défi, donc ça c'est vieux, ça c'était doré je pense, je m'en rappelle plus de trop. Pour les défis violets, ça c'est sûr, je m'en rappelle parce que j'ai passé un peu de temps dessus. Il y a deux défis qui vont se suivre, normalement si vous y arrivez, normalement les défis sont assez simples. Pour vous signaler, normalement il faut une arme, normalement il vous conseille d'aller chercher une arme soit alien, soit IO. Moi je vous conseille c'est d'aller ici, ça sera plus simple. Moi à chaque fois que je vais là, je trouve un cube et je trouve une arme IO, donc c'est assez rapide. Et pour les dégâts, donc normalement vous avez les dégâts sur soucoupe et les dégâts, vous aurez deux défis, c'est dégâts sur soucoupe et dégâts sur soit alien soit IO. Les IO, le truc c'est qu'ils ont moins de points de vie que les extraterrestres. Je crois bien que les extraterrestres ont 100 points de vie de plus. Donc moi je vous conseille c'est d'abattre une soucoupe volante avec un pistolet bien sûr IO et ou soit un sniper. Les snipers font pas mal de dégâts. Vous avez un sniper laser, vous faites du 225 ou du 230 aux alentours. Mais c'est le mieux et c'est un conseil. Aller chercher directement dans le parc, ça ira plus vite. Donc voilà. Donc moi je vous le conseille, c'est d'aller là où je vous ai mis mon point bleu. Et normalement, attendez. Normalement, les soucoupes volantes sont soit à Blair Beach, soit à Bonnet, soit à Pleasant. Donc clairement, c'est tout bénef. Faites attention quand même aux joueurs, parce que les joueurs en ce moment sont casse-couilles. Donc, n'hésitez pas à aller là où je vous ai indiqué. Après, il y a plusieurs zones. Donc, il y a plusieurs zones à antenne. Donc, n'hésitez pas à aller là où ça vous intéresse. Mais moi, à chaque fois, j'ai toujours eu un cube et au minimum une arme IO. Donc, voilà. Donc, si vous n'avez pas encore validé votre défi cube, prenez un véhicule et foncez à Lazy Lake. Même si vous perdez un peu de points de vie à cause de la zone, voilà, ça vous fera valider le machin. Prenez-vous un kit et vous vous bandez sur le coup. À part si vous faites allumer par un joueur, ça... Voilà. Donc, on va partir en solo quand même. Je vais vous faire quand même une petite game. J'ai atteint mon niveau 101. Parce que, clairement, j'ai passé du temps et des heures dessus. Je sais pas si je vais passer mon niveau 102 pendant la vidéo.
Mais je veux pas non plus faire ou quoi que ce soit. J'ai fait mon top 1 ce matin. Donc clairement, je vais pas me fouler la cheville à essayer top 1. Mais je vais essayer de faire de mon mieux. Et voilà. Là, je vais essayer d'augmenter mes niveaux. Parce que je sais pas si ça sera sur défi ou soit sur étoile. Et je vais garder mes étoiles pour Superman. Parce que je suis un grand fan de Superman. Donc je suis désolé pour ce qui sera de bonus. Je trouve ça, les bonus, ils sont sympas. Mais pour le moment, j'en ai pas besoin. Donc pour le moment, les bonus, je les mets de côté. Et je vais attendre Superman. Donc dans 30, 35, 36 jours. Ça dépend. Je regarderai après, après la vidéo. Donc c'est parti. Donc voilà. Donc 101 avec le docteur machin. On va aller. Bah, je vais aller. Ouais. Le truc c'est que je suis pas trop. Ou pour les armes. Aller au complexe. Complexe ici. Donc c'est un conseil. Ça peut être bien, mais bon, le truc c'est qu'il y a souvent beaucoup de bots. Et beaucoup de joueurs aussi. Donc je sais même pas si je vais pouvoir faire quoi que ce soit. Donc c'est parti. J'espère que cette petite vidéo vous plaira. On a déjà un joueur devant nous. Il y a beaucoup de joueurs qui sont avec les machins. Alors je vous conseille un petit truc si vous avez pas fait les défis machin. Je vous conseille un petit truc, c'est que moi j'ai pas eu trop de soucis au niveau des défis. Je passe devant. Là on a la med. Bon, bah, comme dit le Père Noël, on chope le vaisseau et on se casse. Dans la merde. Accroupi. Accroupis. Ils ont que ça à foutre, les gens, d'être accroupis. Ils ont que ça à foutre. Alors, c'est chiant. C'est chiant, les gens n'ont pas de race. Ils savent pas jouer. Je suis désolé. Je suis désolé, mais moi, Fortnite, plus on avance dans le temps, plus on avance dans le machin, je trouve que Fortnite est devenu casse-couille. Parce que le truc, c'est qu'à l'époque, quand vous aviez pas d'armes ou quoi que ce soit, il y avait un minimum de jugeote entre joueurs. Et ça, moi, ce qui me fait rire le plus, c'est quand je vois des TikTok où ils se foutent de la gueule des autres joueurs qui se moquent, qui disent « Ouais, toi, t'as pas de skin, toi, t'es une merde, toi, t'es une merde. » Mais sans déconner, les gars, vous avez peut-être pas... ils ont peut-être pas de skin. Mais pensez-y. Ils ont peut-être pas une maman ou un papa qui font siffler leurs cartes et qui sont peut-être un minimum de jugeotes et qui payent autre chose à leur fils ou à leur fille. Alors soyez un peu plus généreux et quand on vous dit « Ouais, tiens, est-ce que je peux rejoindre ton groupe ?» et qu'on vous envoyez chier une personne, soyez un peu plus généreux parce qu'il y en aura peut-être un de ces jours qui va vous dire « Mais attends, toi la dernière fois, tu m'as envoyé chier. » Puis l'autre, il a tous les coups, il aura des meilleurs skins. Alors, soyez un peu plus généreux et soyez pas trop radin. Parce qu'un de ces coups, vous allez avoir des problèmes. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre la cloche.
J'espère que cette petite vidéo vous aura plu quand même. Donc moi, ce qui me dérange le plus, c'est que bon, Fortnite, les joueurs, quand vu que maintenant ils payent leur, bah, ils payent leur machin, ils payent leur niveau dès le début, c'est plus de la logique. Les gens se la friment, n'ont plus de race quand ils croisent une personne, qui n'ont pas d'armes. Alors bon, c'est toujours un peu chiant de se faire tuer, et puis après, bah, on se venge un peu, c'est sûr. Et je le fais, donc bah, moi, c'est sûr que je peux dire ça, mais le truc, c'est qu'il y en a beaucoup où je croise et qui font des défis, je les laisse faire leurs défis, et à partir qu'ils ont une arme ou quoi que ce soit, je tire dessus. Parce qu'il y en a beaucoup, ils n'ont pas de défis, ils n'ont pas de race, et ils préfèrent faire chier leur monde. Et ce qui peut arriver, c'est au niveau d'aller danser au niveau de Slige, Zige ou Sige, je sais plus trop, mais vers l'extraterrestre, faites attention parce qu'il y en a beaucoup qui aiment bien se transformer avec ce skin-là et vous risquez d'avoir des soucis. Passez une bonne soirée, merci et on se dit à la prochaine les gens, c'est Drac Survie. Peace.